Le DEP en décoration intérieure et présentation visuelle vous permettra d'explorer et d'approfondir les différents aspects du métier en passant autant par les plans techniques, la fabrication d'éléments de décor et de vitrines, la vente, les matériaux et beaucoup plus encore. La formation va vous permettre de répondre aux exigences du marché puis aussi de vous développer avec aisance dans cet environnement. Bien, ce que j'aime dans ma formation, c'est le cours de matériaux. J'ai vraiment aimé ça, toucher un peu à tout, le bois, la céramique, tout ce qui est papier peint. Il y a le côté décoration intérieure qui est plus technique, plus ordinateur, tabac dessin, des calculs. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a, une balance là, qui se fait avec le cours en présentation visuelle qui est plus dans les ateliers, vraiment manuel, créatif. Fait que pour l'équilibre, moi, je trouve ça vraiment parfait. Les métiers de décorateur et de spécialiste en design de présentation ont grandement évolué dans les dernières années. C'est un métier qui est en constante évolution. Les habitudes des gens ont changé, les modes évoluent. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que dans le design, on va toujours avoir besoin de nous. Donc, il y a toujours moyen d'améliorer les choses, de pouvoir peaufiner des projets, de pouvoir les améliorer. Le milieu du design, de la présentation visuelle et de la décoration intérieure est un environnement qui est très vaste. Ça va être important que vous trouviez votre niche, votre créneau et même votre couleur pour vous démarquer du marché. Les enseignants ici, on sent qu'ils ont vraiment de l'expérience, ils ont pris de l'expérience sur le métier, puis c'est le fun quand ils nous enseignent parce que souvent, ils font le parallèle vraiment avec le marché du travail. Puis c'est tout vraiment des bons professeurs, on se sent à l'aise, on sent qu'on peut poser n'importe quelle question, ils sont là pour nous autres, vraiment. Puis justement, qu'est-ce qui était vraiment très charmeur avec ce DEP, c'est que c'était un DEP, donc j'avais pas à faire mes cours de base, c'était français, philo, tout le monde connaît ça. J'ai eu la chance de pouvoir vraiment me concentrer sur ma matière, particulièrement ici en DEP. Donc c'est vraiment un programme qui englobe vraiment beaucoup de sujets, donc juste décoration intérieure et installation visuelle, c'est clairement pas un assez grand titre pour ce programme qui en mériterait tellement d'autres.